Je me demande maintenant, serait-il vrai ce que répétaient les vieux sages dans les ruelles, que le destin existe pour une petite fille rousse, ma pitchounette qui court vers le destin du sud, dans le désordre, trouble de l'avant-guerre. D'une famille sicilienne, touchée par tant de malheurs, Goliarda, Sapienza. À 16 ans, elle reçoit une bourse pour suivre des cours d'académie d'art dramatique de Rome, mais l'occupation la pousse, absorbée par leur combat antifasciste. Même ce que nous appelons d'une douleur les choses de la vie. Et se vouant totalement à l'écriture passionnée, Goliarda Sapienza. Ses tentatives de suicide, de désespoir, et ses séjours en psychiatrie ou en prison l'ont rendu sûr plus fort. Toutes ses œuvres sont publiées aux éditions, même celles écrites en prison. Des plus belles pages, elles sont considérables. Le paradoxe de cette histoire est subversif jusqu'au bout. Goliarda Sapienza. Avec une grande passion pour les femmes, notamment ce qu'elle a connu dans la prison, jeune révolutionnaire, elle aimera passionnément les prostituées qui vont beaucoup lui inspirer, même les drogués dans ses derniers récits. Cet inhala amour volatile, art de la joie, son chef-d'œuvre. Goliarda Sapienza. Cette femme presque oubliée dans son pays, reconnue dans toute l'Europe, puis l'Italie, c'est l'ironie du sort. Là, aventure d'une femme souvent blessée, c'est toujours ce miracle atroce de l'écriture, la maintiennent en vie. Une cicatrice creuse son front, un troisième œil qui la fond, Goliarda Sapienza. Je me demande maintenant, serait-il vrai ce que répétaient les vieux sages dans les ruelles, que le destin existe pour une petite fille rousse, ma pitchounette qui court vers le destin du sud, dans le désordre, trouble de l'avant.
guerre. D'une famille sicilienne, touchée par tant de malheurs, Goliarda Sapienza. Goliarda